Alléluia. Alléluia. Alors, nous prions pour la parole. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité. Le peu avance, avance, avance et avance. Père, je te prie de descendre sur eux. Oui. Tous les cibles, de descendre éternel Dieu, sur tous les peuples éternels, de Saint-Feu international de la Côte d'Ivoire. Bénis chacun d'eux, éternel Dieu, selon ses demandes. Et bénis-les tous. Bénis l'éternel Dieu dans le Père. Je les bénis dans le Fils. Et je les bénis dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Monsieur, nous voulons te bénir ce matin. Éternel, arrose-les de par ta grâce. Arrose-les de par ta grâce, dit Amen. Arrose-les de par ta grâce. Arrose-les de par ta grâce. Seigneur, fortifie leur vie. Bénis leur foyer. Bénis leur entreprise. Bénis tout ce qu'ils entreprennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, qu'ils soient et qu'ils demeurent un exemple pour le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'à partir de Seigneur, la mission si peu puisse se répandre partout en Côte d'Ivoire et dans le monde. Je proclame la grâce de Dieu sur vos vies. Je proclame la victoire de l'éternel sur vos vies. Je proclame l'élévation de Dieu sur vos vies. Je proclame la soyez bénis dans le Fils de ta mère. Et soyez bénis dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose de sérieux va t'arriver.
même cette personne, on honore sa personne. C'est mon père. C'est un homme des nations. Il parcourt les nations. C'est par son cadavre que je prêche l'évangile. Parce qu'il a posé sa main sur ma vie. Et je veux qu'on le célèbre. Le bouchon, pour le vivre. Les gens sont assis parce qu'ils ne sont pas encore connectés avec le ciel. Si tu es dans cette salle, que tu entends ma voix, sois levé et sois connecté avec le ciel. Je sens un feu dans mes entrailles et je ne sais pas pourquoi. Nous allons lire 5 versets et puis quelque chose va se passer. Donne-moi juste quelques minutes. Juste quelques minutes. 5 versets. Ne t'assois pas. 5 versets. Ce sont les versets que vous connaissez. Hier, dimanche, certainement, vous avez prêché cela. Mais Dieu a utilisé ces versets pour faire quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, je parle de quelque chose d'exceptionnel. Pour ceux qui ne savent pas, le thème de ce dernier de Pentecôte que j'ai l'honneur de partager avec vous, c'est Pentecôte, 3 points de suspension, ma saison de réponse. Ce livre de Pentecôte, nous rentrons et nous rentrons dans une saison de réponse. Actes des apôtres, au chapitre 1. Nous allons lire, pour ceux qui prennent l'ordre, pour ceux qui me suivent de partout, toi qui m'écoutes et toi qui me suis, toi qui me regardes, sache que après ce moment que je dépose le micro, tu rentreras dans une saison de réponse. Actes au chapitre 1. Merci de ce que ma personne est l'expression de ta miséricorde, l'expression de ta grâce, l'expression de ta puissance. Que je sois ce canal que tu utilises pour apporter le réconfort, pour apporter la vie, l'onction au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi encore, dis joyeux anniversaire et puis tu t'assois. L'homme de Dieu a déjà lancé. Merci beaucoup, musical. Vous pouvez vous asseoir. L'homme de Dieu a déjà lancé le jeu en disant hier, yeah, c'était l'anniversaire du Saint-Esprit. Je suis le prophète dans ce délai. Et je dis encore joyeux anniversaire au corps du Christ parce que c'est un jour de Pentecôte. Il y a 2000 ans de cela que l'Église est née. Le corps du Christ est né à une fête de Pentecôte. Donc, nous fêtons sans le savoir, sans le dire, oh, l'anniversaire de l'Église. L'Église est née à un temps de Pentecôte. Or, la Pentecôte, c'est la moisson, la fête juive. Donc, tu comprends que l'Église est née à un temps de moisson. Or, si l'Église est née à un temps de moisson, à une saison de moisson, donc tu comprends que si l'église est née dans l'abondance, la pauvreté ne doit pas
Les disciples étaient en attente d'une promesse. L'église va naître par la réponse du ciel. C'est quand Dieu a répondu que l'église est née. Je vais te dire, il y a une réponse que Dieu va te donner pour que ta gloire puisse se dérouler. C'est pas normal. Parce que l'église, c'est la réponse d'une promesse. Voici pourquoi il a dit ici, attendez, ne partez pas comme ça. Je suis pas un Dieu qui parle et je n'agis pas. Attendez la réponse à la promesse. Et ils ont entendu. Donc, l'église naît dans une promesse divine. Alléluia. Donc tu comprends que tu ne peux pas être chrétien et puis depuis tu ne reçois pas de réponse. Je dis toujours que la chrétienté, ce n'est pas de la manipulation. La chrétienté, c'est la vie. La chrétienté, c'est la puissance. La chrétienté, c'est la communion entre le ciel et la terre. Il est que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. On n'est pas chrétien parce que non, on fréquente des bâtiments, on est chrétien parce qu'on est connecté par le ciel et la terre. On est chrétien parce qu'on reçoit le repos divin du ciel. Et ce matin, quelque chose d'exceptionnel va t'arriver. Donne-moi seulement quelques minutes. Alléluia. Alléluia. Nous avons une relation divine. Nous avons un Dieu qui est vrai. Regardez. Je reprends le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, avec les disciples, bien sûr, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi? Il ne dit pas Jéricho. Pourquoi? Il ne donne pas une autre ville de Bethléem, là où Jésus est né. Pourquoi? Il dit Jérusalem. Quelle parole prophétique sort de la bouche de Dieu, la parole prophétique cherche un lieu où se loger pour accomplir cette promesse. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu n'accomplit pas ses promesses partout. Même quand Dieu est partout, quand son esprit est partout, mais la promesse divine ne s'accomplit pas partout. Il y a un lieu que la prophétie cherche. Connecter à cette prophétie. N'allez pas partout, attendez à Jérusalem. Et je crois que ce matin, ce lieu est une connexion de la révélation de la réponse. Pourquoi Dieu nous envoie ici ce matin? Pourquoi Dieu nous envoie à ce rendez-vous? C'est un rendez-vous de réponse pour ceux qui ne savent pas. Voici pourquoi 3000 personnes suivaient Jésus, 5000 personnes suivaient Jésus, mais quand il s'agissait de la réponse, il y avait 120 personnes. Parce que la réponse n'est pas pour tout le monde. Amen. Je suis pas étonné pourquoi nous sommes dans ce nombre. Et nous sommes là. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes à Jérusalem. Donc, il va se dire que quelques-uns vont dire ma réponse tarde. Mais je vais te dire, selon Dieu, le retard, selon Dieu, n'est pas le refus. Quand tu vois les choses en retard, selon Dieu, ce n'est pas un refus. Il attend un lieu, il attend un moment, il attend un temps, il attend une personne. Il attendait ce rendez-vous de 2015. Il attendait ce rendez-vous. Partout tu m'attends, partout tu me vois, partout tu me coupes.
Jérusalem. Amen. Il y a une connexion divine là-bas. Yes. Rendez-vous à Jérusalem. Il y a quelque chose de fort qui se passe là-bas. Dieu ne commande jamais des personnes à faire. Alléluia. Amen. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Dieu est fidèle. Il ne peut pas dire aux gens, allez, j'attends quelque part là-bas en vain. Il dit, attendez. Pourquoi? Dans sa promesse. Parce que Dieu, l'on le dit, quand Dieu dit oui, tu peux dire non. Quand Dieu dit oui, tu peux dire non. Dieu, ce n'est pas la démocratie. Dieu ne fonctionne pas parce que 10 personnes ont dit oui, mais on dit non. Dieu a parlé et il agit, il est fidèle à ce qu'il fait. Et la Bible déclare qu'il confie la parole de ses serviteurs. Si tu es serviteur de l'Éternel, une parole sort de ma bouche pour te bénir sur la terre. Alléluia. Je vois déjà le Messie. Alléluia. Voici pourquoi. Je suis venu t'apporter une parole divine qui va se produire. Et quelqu'un est avec moi. Il dit, mais vous. Quelqu'un dit, mais vous, c'est qu'il y a mais eux. Il y a les hommes, il y a les jeunes, et puis il y a les autres. Mais tu me fais une distinction. Il dit, mais vous. N'allez pas comme ça. Mais vous. Il y a quelque chose de particulier. Mais vous. Vous avez un Dieu. Mais vous. Pas Dieu. Pourquoi? Quand il parle de vous, il dit vous
pas être bébé. Comment dire? Une bébé, c'est rien. Je vais te dire une chose. Le mystère de voir et recevoir, tu comprendras ça seul. Voici pourquoi je me tiens du haut de cette chair, dans l'alliance de mon Père et dans mon ministère apostolique. Je déclare, il y a eu un temps où tu as vu les gens se marier. Il y a eu un temps où tu as vu les gens voyager. Il y a eu un temps où tu as vu des miracles. Il y a eu un temps où tu as vu beaucoup d'argent. Mais l'heure est arrivée. J'annonce la saison de l'enfant. Tu vas recevoir. Écoute-moi bien. Celui qui voit, il apprécie. Celui qui reçoit, il est apprécié. Celui qui voit, il apprécie. Mais celui qui reçoit, il est apprécié. Tu as trop vu des choses. Tu as trop apprécié des choses. Aujourd'hui, tu vas recevoir encore plus d'apprécier. J'ai vu une grosse voiture passer. Et puis j'ai reçu une grosse voiture. Ça fait que... J'ai vu une grosse maison. Et puis j'ai reçu une grosse maison. Ça fait que... La saison de réponse, l'heure est arrivée où les gens vont t'apprécier parce que tu vas recevoir, 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 parce que tu vas recevoir. Opération, recevoir, opération, recevoir, opération, recevoir, opération, recevoir, opération, recevoir, opération, recevoir, opération, recevoir. J'ai dit à quelqu'un, tu as trop vu. Jésus l'a dit, a dit au verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, être avec Jésus ne veut pas dire que tu as reçu. Jésus dit que vous avez marché avec moi. Viens, viens pour nous rappeler, viens pour le corps. Viens, 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 on dit. Il dit, vous avez marché avec moi. Vous avez vu des miracles. Vous avez vu des mariages. Vous avez vu des gens élevés. Là, mais ça ne suffit pas. Je m'en vais. Vous attendez parce que l'heure arrive. Vous allez recevoir. Marcher avec Jésus, c'est une autre chose. Je marche avec lui. Je vois Jésus qui guérit les malades. Des personnes sont dans les églises. Ils voient, mais j'ai vu quelqu'un pauvre qui est devenu riche. J'ai vu une femme. Une femme stérile qui a enfanté des jumelles. J'ai vu quelqu'un dire tu n'as pas réussi. Et puis la personne a réussi. Ça tu as vu. Mais ce n'est pas toi. Tu as seulement vu. Et tu as donné gloire à Dieu. Mais je dis dans ta saison de réponse, les gens, parce que tu vas recevoir, c'est les gens qui vont te voir et puis qui vont glorifier Dieu. Regarde, maintenant c'est moi, regarde, et bien, Dieu est Dieu vraiment, Dieu est vivant vraiment, Dieu est vivant vraiment, Dieu est ressuscité vraiment. L'option que tu vas recevoir ce matin, c'est à une autre dimension. Ce que tu vas recevoir ce matin va impacter ta génération. Je suis allé vers le Nigeria. Mes yeux ont vu des ministères. Je regarde comme ça. J'ai vu des hommes de Dieu manifester la puissance de Dieu. Ça, j'ai vu. Et Seigneur, je veux recevoir ça maintenant moi-même. Et je crois que
cette saison. Dans cette saison. Dans cette saison. Reçois.
tout le monde a commencé à le regarder. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je vais te dire, tu iras à la maison. Parce que quelque chose va se passer tout à l'heure. Tu iras à la maison. Le temps sera toujours comme ça. Mais un nouveau locataire, elle va tout faire. Amen. Ça se tue, tu ne changes pas, mais tu changes les habitudes. Amen. Il ne change pas, mais il change les coutumes. Amen. Je vous donne une révélation pour terminer. Parce que le reste, c'est la fin des réceptions. Dieu ne peut pas venir nous réunir ici pour s'amuser avec nous. Il dit même vous les différents, vous les mis à part, vous les élus, quelque chose va rentrer en vous. Si c'est un mariage, et vous savez que il y a l'onction qui rentre en toi et qui te conduit au mariage. La Bible dit que le roi David, en 1 Samuel 16, la Bible dit que quand Samuel a touché David par l'huile, par l'onction, l'onction l'a saisi en ce jour et dans la suite. Il y a des onctions, quand ça descend dans toi, ça prolonge. Il y a des onctions, quand ça descend dans toi, tu demeures toujours roi. Quel que soit tout ce que ça a eu, les sacrifices qu'on fait, il est resté roi. On ne parle pas du roi David. Je vais dire à quelqu'un, tu vas recevoir quelque chose qui va t'éloigner le reste de ta vie de la honte. Ça va éloigner la honte du reste de ta vie. Je sais de quoi je parle. Amen. L'esprit a saisi David. A dit, en ce jour, jusque dans la suite. C'est de cette chance dont ce je parle. Ça va te saisir aujourd'hui jusque dans la suite. Plus jamais tu es pauvre. Plus jamais ta vie est stérile. Plus jamais. Que ta vie ne marche pas. Plus jamais que les affaires ne marchent pas. Parce que le nouveau locataire est prêt à faire son entrée. Voici pourquoi. Aujourd'hui, il ne s'agit pas. Le Saint-Esprit a été visité. Un visiteur, il vient et puis il s'en va. La plupart, l'Esprit vient nous visiter. Mais c'est un visiteur, il vient et puis il s'en va. L'esprit va pas te visiter aujourd'hui, il va se saisir de toi comme la saisie de la vie dans la suite et pour toujours. Chacun sera sur ta vie, la vie de la vie, il va se saisir de toi maintenant et pour toujours. Il nous a trop visité. Il nous a trop visité. Il visite un ministère souvent. Tu vois, et puis d'un coup, et après il est parti. Il en visite. Il y a plusieurs personnes qui peuvent en visite comme ça. Mais aujourd'hui, il va demeurer là. Amen. Il va demeurer là. Il va demeurer. Ma calacouta chambre. Je sens une présence qui n'est pas habituelle. Je sens une présence qui n'est pas ordinaire. Et quand je sens cette présence là, c'est que quelque chose commence à se passer. Quand je commence à sentir cette présence, c'est que quelque chose qui n'habite pas. Alléluia. Et en train de se passer. C'est que l'esprit est prêt à se saisir la personne jusqu'à la fin. Yes. L'esprit va dépenser. J'ai la grâce. Et je suis apôtre. Et ce que je dis, que Dieu confie. Dieu est fidèle. Dieu
est fidèle. Officiel. Vous voyez, c'est lotus. C'est ordinaire. N'est-ce pas? C'est ordinaire. C'est ordinaire. Je peux prendre 3-4 personnes ici. Venez. 3-4 personnes. Je peux venir. Bien. Viens un peu. Se
que Dieu nous envoie à un autre niveau du ministère. Où on dit les choses et le ciel reçoit cela. À tous ceux et celles qui sont disposés, recevez ce nouveau vin et ce feu. Recevez la combinaison du vin et du feu. Dans son ministère, il y a le feu qui est dans cette femme.
Au moins je touche son manteau. Au moins je touche son manteau. Au moins je touche son manteau. La présence qui envahit totalement sa vie. Présence envahit sa vie. Et c'est une forte présence. Une forte présence. Je vous dis une forte présence. Soyez à côté d'elle. Ça va secouer. Ça va secouer. Ça va secouer. Je vois un doublement d'option. Un doublement d'option. Vous voyez, je vais laisser le morceau en fait.
C'est extraordinaire. Morgan, beaucoup de pas. Le feu se met sous leur esprit et leur mère. Elle voit, dans ta vie. Plusieurs personnes sont en train de recevoir l'écoulement.
de fusion de l'esprit, c'est l'écoulement de l'esprit. Et l'écoulement de l'esprit vient pour apporter un changement dans notre vie, dans nos ministères, dans toute situation que nous avons. Je me tiens là et je dis que tu passes un autre niveau de ta vie. Amen. Au nom de Jésus. On dit amen profond. Amen. J'espère que je n'ai pas été trop ennuyeux.
débordé un peu dans le temps. Vous m'excusez, alléluia. Je bénis le Seigneur pour le ministère de notre Père, le bishop Boni Olivier, alléluia, leader de la mission. Je veux rappeler à toute personne et à tous les pasteurs, nous avions fait un programme en mars, je crois, mars, avec le prophète John Benis et docteur Chirondi, avec notre père, le bishop Boni Olivier. Des pasteurs, des fidèles, des conseillers avaient pris des engagements. Par rapport à cela, nous avons une veillée. Depuis mars, avait été annoncé, nous avons une veillée le 12 juin. Le 12 juin, en ce lieu, au Dieu Plateau. Je dis à tous ceux qui avaient oublié, c'est ce jour-là qu'il faut venir avec nos enveloppes. Si aussi tu n'as pas gardé qu'au 12 juin, tu peux déjà nous les envoyer, mettre le main à ton pasteur pour qu'on convoie ça à la trésorerie nationale. Alléluia. Amen. Quelqu'un a entendu ce que j'ai dit, quelqu'un sur la place. Pentecôte, ma saison de réponse. Sur ce, je vais laisser. Ok. Je vais vous donner sa terre. Le Centre international du plein évangile présente grande veillée de possession. En début du mois, si peu la Renaissance, l'église des deux plateaux. Le vendredi 5 juin à 21h, vendredi 5 juin à 21h, le thème Dieu est encore capable. Dieu est encore capable. Avec le révérend Amel Quatuor. L'évangéliste Jules Yayo Chica. Prophète de la nation, Quatuor Emma. Et puis. Je ne vais pas vous dire que c'est boulevard Latry derrière la salle ici, c'est ici. Boulevard Latry derrière la station Olivia, près des cours de tennis. Info live, ainsi de suite. Et vous pouvez voir toutes nos images. www.cipe-6cie.org ou www.olivierboni.net. Je vous remercie. Accueillons-nous.